Je ne peux pas vous les certifier. C'est une projection sur le futur, sur 2018, 2019, 2020. Okay. Il n'y a que Madame Soleil qui peut vous dire si ça va se faire, ça va passer. Mais d'accord. Moi, je pars du principe que je dis j'ai fait ça, donc je fais la même chose. D'accord. À vous de juger est-ce que cette partie est vraie ou pas vraie. Vous aurez encouragé la disposition de la loi de finances de 2018 sur l'exonération des droits d'enregistrement. Vous êtes sérieux? Et donc vous aurez profité. Est-ce que c'est vrai? Est-ce vrai que le groupe Sahar que vous aviez. Est-ce que vous avez encouragé à la disposition pour qu'elle puisse bénéficier à votre. Alors, je vais vous répondre à cette question parce qu'elle m'amuse. Je pense qu'il y a des niveaux de médiocrité. Il y a des niveaux de médiocrité auxquels on peut arriver sans rougir. Sans rougir. Quand on dit qu'il y a un changement sur les droits d'enregistrement, depuis quand au Maroc les droits d'enregistrement pour un vendeur ont été modifiés? C'est de la loi de finances, hein? Jamais. Jamais. Les vendeurs n'ont jamais payé de droits d'enregistrement à Kenneth. Et qui est-ce que j'ai dit? Il avait été par qu'il avait été là. Vous avez pas besoin de sortir de l'arbre pour comprendre ça. T'as une marque de l'arbre, aucun petit doute. Pas dans le choix. C'est pas des lois de finances, c'est boulot, c'est public, c'est pas d'information confidentielle. Donc, évidemment, il faut bien qu'on trouve quelque chose dans une opérationnelle. Laissez les gens, laissez-leur quand même de quoi s'amuser. T'as dit, le droit d'enregistrement, le vendeur, d'accord. Donc je vous réponds non pas en tant que simple, je vous répondrai en général. À l'assurance agricole. Alors, quand on a l'histoire de l'assurance agricole, bien. L'assurance agricole n'a pas été faite. À ce jour, on a de l'assurance agricole. Fais-moi une jette. Fais-moi une agriculteur. Ou je vais aller chez moi. Moi, je suis dans la même chose. Moi, je suis dans la même chose.